Moi, dans une église, je suis comme à la maison. Je sens qu'on m'y accueille, que j'étais attendu. Ce ne sont pas devant moi, pas des paroles toutes faites, sorties de la bouche d'un chrétien qui ne sait pas de quoi il parle. Et quand je pense, mes frères, que l'église est notre maison à tous, la vraie maison du bon Dieu, celle où il est vraiment, car là se trouve son fils, bien présent et bien réel. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs, bien heureux qui le sait, qui le sent. Dans un certain état d'esprit, qui rassemble humilité et soif de vérité, il est impossible de ne pas croiser Jésus, fût-tu le grand rabbin de France. Oui, dans un certain état d'esprit qui rassemble humilité mais soif de vérité, il est impossible de ne pas croiser Jésus, fût-tu le grand rabbin de France. Quiconque a le cœur pur, quelle que soit sa religion, quiconque cherche la vérité, quiconque possède l'humilité, peut faire l'expérience de la présence du Christ d'une manière ou d'une autre, le rencontrer à la maison. Car quiconque frappe à la porte, il lui sera ouvert. C'est aussi simple que ça. Ce qui compte, c'est un cœur sincère. Alors vous tous qui cherchez, vous tous qui doutez, vous tous qui peinez, venez entrer à la maison. Dans un certain état d'esprit qui rassemble humilité et soif de vérité, il est impossible de ne pas croiser Jésus, fût-tu le grand rabbin de France. Oui, dans un certain état d'esprit qui rassemble humilité et soif de vérité, il est impossible de ne pas croiser Jésus, fût-tu le grand rabbin de France.